Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour de quelqu'un qui est sur scène en tournée à travers la France, aux Folies Bergères à la fin de l'année avec son spectacle Adieu hier, mais aujourd'hui sur RTL, Fabrice Eboué. Bonjour. Vous connaissez à peu près tout le monde, encore qu'il y a pas mal de changements ici, vous verrez, oui. Monsieur Eboué. Mais vous connaissez cette grosse tête qui donne du boulot à la régie à cause de ses roulements de tambour, Caroline Diamant. Bonjour. Vous connaissez peut-être moins notre grosse tête juriste, mais qui jure moins que Caroline Diamant, elle court plus vite aussi, Rachel Carr. Vous ne connaissez peut-être pas non plus cette grosse tête dont on peut dire qu'il connaît ses classiques, Olivier Bellamy. Vous connaissez forcément cette grosse tête kamikaze, puisqu'il est en concurrence en librairie avec Sébastien Thoen, Élie Semoule. Une grosse tête qui a reçu le prix Louis Boyard pour son livre Chagrin d'humour, Sébastien Thoen. C'est vrai que vous êtes en concurrence avec Élie Semoule dans les librairies. Moi, ça parle d'amour. Moi, ça parle d'amour. Ah bah, il y a d'humour. Moi, ça parle du Hamas. Ah ouais. Attends. Bah, t'as choisi ton camp, mon pote. Qu'est-ce que je te dis ? En tout cas, ça fait plaisir. Il y a un bon casting. Il y a un mec qui a le bac. Il y a des papous, des juifs. Non, c'est cool, vraiment. Ouais. Et ça change. Il faut s'ouvrir. Les papous, c'est pour vous, Fabrice Eboué. Hein. Ah, c'est nous, les papous. D'accord. Donc, on a passé un cap dans cette émission. Ah oui, oui, là, c'est carrément. Vous vous souvenez de Pierre Bénichoux, Fabrice hein ? On a fait des années d'émission ensemble avec Pierre Bénichoux. Quand c'était une émission culturelle, oui. Voilà. Et bien là, j'en tiens un, mais en pire, vous voyez. Mais non. Ah, si. Non. Sébastien Thoen, oui. Non, Thoen. Si ça pouvait être. Comme il remplace Bénichoux, j'ai dit Sébastien Thoen pour rester dans les quotas, c'est mieux. Voilà. Non, mais on a déjà Élie Semoule dans les quotas, vous voyez. D'accord. C'est pour ça que je me demandais pourquoi vous avez pris Rachel Kahn en même temps que moi, ça fout un peu la pagaille quoi. Non, mais si, c'est pour la parité. Mais non, mais hey, Rachel, il fallait... ah, Rachel, oui, file une mèche à Fabrice. Tu peux pas filer une mèche à Fabrice? Non, mais c'est de la radio, on s'en fout, mais c'est pendant la vie de tous les jours. Mais ça colle les rajouts là. Ça colle. Non, mais il est très beau, mais ça serait mieux avec quelques rajouts quand même. De mes cheveux. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que vous pourriez lui redonner à Fabrice. Bah oui. Mais non, ça lui fait une kippa, ça lui va très bien. Je fais Élie et Dieudonné à moi tout seul. Voilà, exactement.